Je crois que quand j'ai commencé à écrire Les yeux jaunes des crocodiles, je n'avais aucune idée de là où j'allais. J'avais construit des personnages, j'avais surtout le personnage de Joséphine en tête, très très bien. Je voyais très bien qui était cette femme. Et tout est parti d'elle en fait, mais je savais pas, je savais pas du tout que j'allais écrire trois tomes de suite. Je voulais raconter l'histoire d'une femme qui est chercheuse au CNRS, qui est une femme comme des millions et des millions de femmes, et d'hommes, je pense, et qui est seule dans la vie pour élever deux enfants, et avec un monde imaginaire dans la tête quand même, avec une science, un savoir, et une femme à la fois fragile, qui ne sait pas qu'elle est forte, et qui doute de tout, et qui se fait un peu rouler par la vie. Et un peu comme dans les romans américains ou dans les films américains, qui va pouvoir petit à petit se redresser et avancer. Je crois que ce qui touche les gens dans cette trilogie, c'est justement le personnage de Joséphine. Joséphine ressemble à tout le monde. C'est une héroïne qui est une anti-héroïne, mais qui finit quand même par s'en sortir. Je reçois des mails d'hommes qui me disent « je suis Joséphine ». Je reçois des mails de filles de 13-14 ans qui me disent « je suis Joséphine ». J'ai même reçu un mail d'un soldat chinois de 22 ans qui me disait « Joséphine m'aide à appréhender les difficultés de la vie quotidienne ». Alors, il m'écrivait en anglais, il m'écrivait ni en chinois ni en français. Mais ça m'a touchée parce que je me suis dit « un soldat chinois de 22 ans », parce que les crocodiles ont été traduits en chinois, il faut que je précise. Et c'est cette universalité de Joséphine, je pense, qui touche les gens. Je pense qu'on vit une époque difficile où les gens ont l'impression qu'ils sont menacés partout, qu'ils sont menacés par leurs banquiers, par leurs patrons, par leurs propres enfants, les gens ont peur et il y a une peur diffuse en ce moment. Il se retrouve dans Joséphine. Je pense que c'est ça, après coup, qui a fait le succès de Joséphine. Moi, je ne savais pas ça quand j'ai commencé à écrire. Alors, je travaille énormément les personnages. C'est-à-dire qu'avant de me lancer, c'est vrai, dans Les yeux jaunes des crocodiles, j'ai construit tous les personnages. C'est-à-dire que je me fais des fiches par personnage, c'est-à-dire leur âge, leur taille, leur poids, leur famille, où ils habitent, leurs études, leurs amours, leurs frustrations, leurs failles, leurs rêves. Enfin, je les connais très très bien. Ils sont comme des gens de la vie quotidienne que je côtoierais tous les jours. Donc, une fois que les personnages sont très 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 bien construits, j'ai toujours la première scène qui me vient à la tête. Et là, c'était Joséphine dans sa cuisine à Courbevoie et son mari qui lui annonce en fait qu'il la quitte. Et cette première scène, elle doit être très très forte. Il faut qu'elle soit très forte dans ma tête. Il faut que j'aie tout bien en tête, le décor, la position des personnages. Il faut que je commence à entendre les dialogues. Et je commence sur une première scène. Et après, il y a un travail très mystérieux qui découle, je pense, du fait que j'ai réfléchi à ces personnages pendant de longs mois, parce que je pense que je dois passer 6 mois avant de commencer à écrire. Et après, chaque personnage arrive en scène et vient se caler dans le récit, et le récit bouge tout seul. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où moi, je suis à la traîne du récit, où c'est moi qui suis l'histoire qui est en train de se dérouler sous mes yeux. Et ce qui m'intéresse, c'est de raconter la vie d'aujourd'hui et de la raconter de manière très factuelle, c'est-à-dire sans mettre d'idées générales ou d'idées abstraites. Enfin je raconte, j'ai envie de raconter des histoires sur la vie d'aujourd'hui. C'est la seule chose qui m'intéresse. Beaucoup de gens m'ont demandé, par exemple, pourquoi je n'avais pas écrit le roman de Florine, qui est le roman qu'écrit Joséphine dans Les yeux jaunes des crocodiles. Et j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit, parce que le XIIe siècle m'intéresse beaucoup, beaucoup moins que le XXIe siècle. Je trouve qu'on vit une époque en ce moment qui est vraiment une époque convulsive où il y a des pans de passé qui sont en train de disparaître et il y a un monde qui émerge. Et je pense qu'en plus, ça se passe maintenant, quoi. Ça se passe dans les années qu'on est en train de vivre. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est la définition du roman par Stendhal, de promener un miroir le long des chemins. Et c'est vrai, moi je promène, c'est une caméra maintenant, c'est devenu une caméra. L'auteur le plus lu en France, moi je le lis dans les journaux, mais je me sens. C'est comme si on parlait de quelqu'un d'autre. Je me sens pas.
Ça n'a absolument pas changé ni ma manière de vivre, ni ma manière d'écrire. Je crois que quand on écrit, on est quelqu'un de très très solitaire. On est quelqu'un qui est toujours un peu en retrait de la vie et des gens, même si on est poli, donc on parle à tout le monde. Mais on est toujours en train d'essayer d'attraper quelque chose. On est pas, c'est très bizarre d'ailleurs, on n'est pas dans la réalité de l'instant présent, on est ailleurs. Chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi, j'attrape un secret sur la personne. Vous voyez, donc je suis là, mais j'attrape un secret. Donc la réalité vraie m'intéresse finalement pas beaucoup. Enfin, la réalité vraie. La réalité qui me touche, moi, Catherine Pancol, m'intéresse pas tellement. C'est la réalité des autres qui m'intéresse tout le temps. Donc, je le lis dans les journaux que je suis numéro un des ventes, mais ma réalité à moi, je la connais, elle est construite maintenant depuis des années, donc ça va pas changer grand-chose. Ma réalité, c'est d'écrire, de lire, et je vous dis de partir à la pêche tout le temps, d'observer. Et quand j'arrive à piquer quelque chose chez quelqu'un, je suis tellement contente. Donc, l'autre réalité, les chiffres, les livres, les millions de lecteurs, je le regarde comme, du reste, je regarde les gens que je croise, vous voyez. Je regarde ça en me disant, oui, c'est bien, je suis contente. Alors, ce qui est très important pour moi, c'est de rencontrer les lecteurs parce que je réalise qu'il y a une. L'écriture, c'est quelque chose de très, très mystérieux. L'écriture, par exemple, j'ai un site où je reçois énormément de mails. Quand je lis les mails, je sais qu'il y a derrière. Et on retombe dans ce truc du secret des personnages. Les mots vibrent, les mots disent quelque chose, même s'ils sont posés très très simplement. Vous savez, c'est la définition de Colette qui disait, il faut écrire comme personne avec les mots de tout le monde. Et c'est ça, quoi. Et les gens, c'est ça. Ils viennent me voir, ils ne parlent pas, mais je sais dans leur manière de se tenir, de regarder ou pas parler, ou au contraire, de tout d'un coup se mettre à parler à toute allure. J'arrive, moi, à attraper des secrets, une sensibilité, un rêve, quelque chose. Et ça, pour moi, ces rencontres sont très importantes.